프랑스 인하에서 공부한 최유진 연구원. 화상통화를 통해 영상 아카이브 구축과 서비스에 대해 이야기를 나눠보기로 했습니다. D'abord, merci beaucoup d'accepter notre interview. Parce qu'en fait, il fallait aller à l'INA, mais à cause de Covid, on ne pouvait pas venir. Du coup, c'est pour ça qu'on va interviewer comme ça. Merci beaucoup. Eh ben, on est ravis de vous recevoir à distance. Oui. En fait, chez nous, il y a un problème, il y a un grand souci sur le toit. Le toit de portrait, le toit de toit d'image. Bah, on a encore parlé avec, concrètement avec les gens de diffusion. Donc, est-ce que l'INA, il y a aussi un, comment dire, il y a aussi une solution pour ce sujet, peut-être? Alors, on a aujourd'hui au sein de l'INA, on a effectivement une direction juridique qui est très importante pour nous. Parce qu'à partir du moment où on se disait qu'il est question de vendre des programmes, concrètement, ça veut dire qu'on vend des droits. Ça veut dire qu'on doit être extrêmement carré sur toute notre gestion des droits. Il y a vraiment tout un ensemble de normes et de lois également qui, en France, vont aller régir ces questions de production audiovisuelle au moment où on capte, au moment où on stocke et au moment où on vend. Donc, c'est vraiment un ensemble de leviers à plusieurs vitesses. Et il y a même également la question des normes européennes sur le sujet. On travaille en ce moment en France, il y a toute une actualité législative sur la question de la transposition de normes européennes autour de la protection des contenus à l'ère numérique. Donc effectivement, ça c'est tout un équilibre qui est extrêmement important de notre côté à trouver, à veiller et sur lequel on doit être très bon. Donc quand on se parle de l'INA qui est capable de conserver des documents et donc d'archiver des documents, quand on parle de l'INA qui est capable de produire, oui, c'est vrai, mais La base de tout ça, c'est effectivement une gestion des droits qui doit être extrêmement forte et extrêmement importante. Donc, je crois que vos expériences, avec vos expériences, je pense qu'on va avoir des idées après. Ce serait super. Oui, je vais parler du futur de l'INA. Quelles sont les stratégies de l'INA pour le futur? Comme vous avez fini la numérisation avec le PSN, vous avez donné aussi Madeleine, le SVOD. Après, est-ce que vous allez élargir le service public peut-être? Alors, il y a deux choses qui sont importantes aujourd'hui à l'INA. La première, c'est l'entreprise d'éditorialisation qui est engagée, toute l'action d'éditorialisation. Et par rapport à ce que je vous racontais des différentes missions de l'INA, archiver d'une part et transmettre d'autre part, aujourd'hui on est sur quelque chose où on va aller de plus en plus vers la transmission, mais pas forcément la transmission de l'intégralité de nos archives et de nos programmes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de réussir à donner au sein de l'abondance des programmes, aller chercher vraiment la pertinence, la bonne archive au bon moment pour le bon support ou pour la bonne pour le bon client. C'est vraiment réussir à donner du sens dans les millions d'heures dont je vous parlais et réussir à construire quelque chose qui fasse sens. Tout ça, c'est vraiment la transformation de l'INA en tant que média. Au départ, au sein de l'audiovisuel public, l'INA était une entreprise un petit peu à part, à côté des diffuseurs. Il y avait la radio, il y avait la télé, et puis il y avait l'INA, qui était un peu un centre support. Aujourd'hui, et de plus en plus, avec la révolution numérique, avec la transformation numérique, l'INA est un média
par lui-même un média spécialisé, un média patrimonial, un média du temps long. Mais on est de plus en plus en relation directe avec le grand public. C'est vraiment ça qui a été la plus grande transformation pour l'INA ces dernières années, et c'est celle qu'on va continuer à développer et à accentuer. Et donc c'est vraiment cette réussir à faire ça. Le deuxième élément qui est important, c'est que je vous disais aussi que donc on est une des entreprises de l'audiovisuel public. On développe de plus en plus de liens directs et forts avec la radio et avec la télévision. Il y a une vraie volonté en France que les différentes entreprises de l'audiovisuel public travaillent plus et davantage ensemble. Et l'INA le fait. On travaille aujourd'hui sur des projets, par exemple. On a créé un média culturel au sein de l'audiovisuel public qui s'appelle Culture Prime. Et donc, on va travailler tous ensemble, la radio, la télé, l'INA, pour créer des programmes qui soient vraiment estampillés audiovisuel public. Et donc voilà, sur ce qui est en train de se passer à l'INA, il y a vraiment ces deux leviers. Aller au bout de cette transformation en médias et travailler aussi de plus en plus avec les médias de l'audiovisuel public qui sont nos cousins, nos frères ici en France. Donc, merci beaucoup Antoine de d'expliquer la fonction de l'INA, surtout les services publics de l'INA. Et Madeleine, je m'appelle, je suis Madeleine avec Proust. Merci beaucoup de